Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce soir, nous allons parler de Pépé. Voilà, l'ascension fulgurante que Pépé a fait dans ces derniers jours, nous allons en parler. Alors, un gros burn vient d'être fait sur Pépé. Alors, nous allons en parler et faire notre commentaire dessus. Ensuite, nous allons parler de BlackRock qui vient de couper d'une amende de 2,5 millions de dollars. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc Pépé voilà, vient de couper. Voilà, en fait, Pépé vient de faire une montée fulgurante de plus de 93%. Voilà, dans ces derniers jours. Alors, pourquoi cette évolution soudaine? Dernièrement, nous avons fait une vidéo où je parlais que j'allais faire une vidéo sur Pépé, un temps soit peu, parce que déjà, les prémices, déjà, on était en train de voir. Pépé était vraiment en train de faire vraiment une évolution spectaculaire. Il a même dépassé le Shiba en termes de volume journalier. Et donc, en ce jour-là, Pépé a fait plus de 400 millions de dollars en 24 heures, pendant que le Shiba était à 266 millions de dollars. Alors, avant même déjà de continuer, regardons déjà les tendances du marché. Le Bitcoin aussi est en train de faire un yo-yo actuellement. Bon, il ne va pas monter en ligne droite, alors sachez-le. Alors, il allait à 45 000 dollars. Il est descendu actuellement. Il est autour de 33 000 dollars. Ça, c'est la performance du Bitcoin actuel. Alors, quant à Shiba nous fait actuellement. Alors, toujours les 5,07 avec une légère augmentation. Alors, en 24 heures, le Shiba voilà, est monté. Voilà. Donc, en 24 heures, le Shiba a fait un volume de 371 millions de dollars à l'heure de cette publication. Quant à Pépé, alors, en 24 heures, lui, il a fait 348 millions de dollars. Il est juste derrière Shiba. Voilà. Pépé ne lâche pas l'affaire. Il est toujours derrière son vieux père. Alors, sachez que dans le rallye que Pépé a fait dans ces derniers jours, il a avalé 1-0. Alors, c'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Pépé a avalé 1-0. Alors, donc, tout ceci en train de vous dire déjà les prémices de ce que Pépé peut faire. Voilà, 2024, on va dire même fin 2000, jusqu'à la fin de cette année. Vous commencez l'année 2024 pour aller vers 2025. Pépé risque de surprendre plus d'un. Voilà ce que Pépé est en train de préparer. Et ils n'ont pas encore fini avec les surprises. Alors, vous savez qu'il y avait certains développeurs de Pépé qui voulaient nuire à la pièce. Donc, ils avaient vendu une certaine quantité de Pépé. Alors, certains détracteurs de la pièce disaient que bon, la pièce était déjà morte comme ça. Alors, l'un des développeurs est revenu et a repris le projet. Il s'est entouré de nouveaux conseillers et il avait promis de brûler une quantité importante en fait, la quantité de Pépé restant dans la main de l'équipe, il avait décidé de brûler vraiment une grande quantité dedans. Alors, c'est chose faite aujourd'hui. Plus de 6 millions de dollars ont été brûlés dernièrement en Pépé. Alors, donc, vous devez comprendre là que Pépé, alors, les développeurs qui sont derrière aujourd'hui font tout pour respecter leurs engagements vis-à-vis de la communauté, créer cette confiance-là, parce que c'est la communauté qui fait Pépé, c'est la communauté qui fait tout ce qui est projet. Voilà, cryptographie. Alors, cette communauté, il faut respecter les engagements vis-à-vis de cette communauté. Alors, Pépé a brûlé plus de 6,9 trillions de pièces au Pépé. Alors, ça faisait l'équivalent de plus de 6 millions de dollars. Alors, qui ont été envoyés à l'adresse infernale, à l'adresse de Burn. Voilà, donc Pépé a respecté ses engagements. Alors, il reste 3,79 trillions de dollars dans la main de l'équipe. Alors, destiné pour les partenariats, les marketing assez agressifs que Pépé est en train de préparer, voilà, déjà en amont. Donc, sachez déjà que Pépé respecte ses engagements. Alors, ce burn qui a été fait, vous pouvez aller vérifier, ça est sur le Twitter officiel de Pépé, vous pouvez aller regarder ce burn-là, voilà, la trace se retrouve là-bas. Et donc, Pépé, alors, a décidé, voilà, de prendre le reste pour continuer de faire des partenariats, même faire peut-être envoyer de la liquidité sur certaines plateformes pour faire voilà, la DeFi. Alors, tout ça, c'est prévu dans le PP. Et donc, tout ça, alors, PP, quand on regarde le classement aujourd'hui des mêmes coins, alors, on dira Dogecoin premier, ensuite Shiba vient. Après Shiba, alors, le combat était entre, voilà, Baby Doge
et Floki. Voilà que Pépé est sorti de nulle part. Alors, il a été listé par Binance en 2 semaines. Ce que les autres ont fait en 2 ans, comme Shiba. Alors, 1 an pour certains. Alors, Pépé s'est positionné. Alors, il a pris la 3e place aujourd'hui devant Floki. Alors, donc, Pépé, en termes de volume d'échange journalier, Pépé dépasse même souvent Shiba. Donc, aujourd'hui, Pépé est classé après Baby Doge, après Dogecoin. Après Dogecoin Shiba, alors vient maintenant Pépé et ensuite maintenant Floki vient se positionner. Après Floki, maintenant Baby Doge. Voilà un peu le classement. Voilà, si vous voulez connaître un peu. Alors ce classement-là est fait par rapport au volume de change. C'est fait par rapport au volume de change. C'est fait par rapport à l'ancienneté. C'est fait par rapport aux critères fondamentaux. C'est fait par rapport à la communauté derrière. Alors c'est fort de ça que nous faisons ce classement-là. Pour dire que Pépé est en 3e position et ensuite maintenant Floki vient. Alors n'oubliez pas que Floki a le vent en poupe actuellement. Floki, alors, est en train de monter constamment. Alors je vous avais déjà dit que les développeurs de Floki sont en train de travailler fort. Et prochainement, nous ferons une vidéo dessus. Sur, comment on appelle. Nous ferons une vidéo sur Floki qui est en train de préparer encore quelque chose de lourd encore pour la communauté. Tout ça pour attirer de la liquidité dans le projet de Floki. Donc, d'ici là déjà, alors sachez que Floki aussi est en train de monter progressivement et en train de partir résolument pour chercher déjà à atteindre son ATH qui était déjà de 3,03. Alors, chercher à dépasser cet ATH pour aller chercher les 0,01 pour 2025. Voilà l'objectif qui s'est donné Floki. Quant à Pépé, quelles sont nos prévisions? Nos prévisions, avec les 6 euros que vous voyez aujourd'hui, alors nous voyons que si Pépé continue, voilà cette ascension, voilà, si Pépé continue avec ce burn, si Pépé continue avec cette croissance journalière qui est vraiment autour des 100 millions de dollars, plus de 100 millions de dollars, alors c'est sûr que Pépé pourra se retrouver avec 3 zéros après la virgule pour 2025. 3 zéros après la virgule, c'est comme il a avalé 2 zéros, mais il peut aller même jusqu'à avaler 3 zéros même, c'est-à-dire se retrouver avec 0,001, c'est-à-dire que 2 zéros après la virgule 1, voilà, c'est-à-dire qu'il aurait brûlé certainement 3 zéros. Alors ça, c'est des choses que Pépé peut faire. Alors vous avez vu le rallye qu'il a fait en quelques jours seulement, 1 zéro est parti. Alors sachez que c'est des choses qu'il peut faire de façon vraiment avec une facilité. Alors sachez que le bull market sera tellement violent que les pièces vont faire des exploits extraordinaires. Voilà, et donc voilà une pièce qui veut aussi, il veut pas se faire raconter l'histoire, il veut être aussi, parce que c'est son premier bull run qu'elle a. Pépé a son premier bull market, donc sachez que il veut pas se faire raconter l'histoire. Voilà, donc parlons maintenant de BlackRock. BlackRock vient de découper d'une amende de 2,5 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, BlackRock a fait une mauvaise description. On va dire, on dit omission. BlackRock a découpé d'une amende de 2,5 millions de dollars pour omission d'avoir décrit avec précision les investissements dans l'industrie du divertissement. Alors, c'est quelle industrie du divertissement? Alors, il s'agit... Voilà, du groupe Aviron Group, qui est un groupe voilà, publicitaire qui opère dans le domaine des films. Alors, ils font la publicité des films. Alors, BlackRock a investi cette entreprise-là. Et donc, du coup, cette entreprise alors, devait déclarer par BlackRock aux institutions. Alors, BlackRock a fait une mauvaise description de cette entreprise, donc c'est pourquoi on lui dit, bon, comme tu n'as pas bien présenté cette entreprise, c'est comme si tu n'as pas voulu donner toutes les informations sur l'entreprise, voilà, parce que tu t'occupes de l'entreprise, donc c'est toi qui es le garant de l'entreprise, donc du coup, tu vas écoper de 2,5 millions, voilà, qui est véritablement rien pour BlackRock, donc voilà, BlackRock a accepté de payer cette amende. Alors, sachez que, voilà, avec l'attente de l'approbation de DTF de BlackRock. BlackRock n'a pas droit à l'erreur actuellement. Donc, tout ce que la SEC va dire, tu dis de payer combien? Ah, c'est 2 millions. J'ai payé pour te donner. C'est que je n'ai pas accepté mon affaire là. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation, le niveau se trouve dans la description de la vidéo et sous la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Et donc, la formation au niveau d'Abidjan commencera par la conférence qui se tiendra le 4 novembre 2023 à la Bourse du Travail de 13 juillet. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Joseph, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation au niveau après la conférence voilà, qui parlera de la crypto-monnaie et de l'impact de la crypto-monnaie dans notre quotidien. Alors nous allons migrer après cela en décembre vers la formation pratique présentielle qui se tiendra le 16 décembre, toujours à la Bourse du Travail de 13 jours. Alors toujours interagissez avec le leader Bill, le leader Joseph et le leader Elisabeth voilà, pour la zone d'Abidjan. Ensuite nous serons aussi à Ouagadougou. Le 25 et le 26 novembre prochain. Alors, ça sera à Ouagadougou avec le leader voilà, qu'on appelle Alassane. Interagissez avec lui pour pouvoir voilà, profiter voilà, de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Et la formation de San Pedro se tiendra le 8 et le 9 décembre. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Temi Joseph Sonapoli Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Après, nous allons débuter la nouvelle année 2024 avec la formation de Mans qui se tiendra le 5 et le 6 janvier voilà, dans la zone voilà, de Biankouman, Fakoubli, la zone de, voilà, de Diokwe. Alors, tout cela pourront aller vers Mans, voilà, voir la personne de, voilà, de Niawa, leader Niawa, pour pouvoir faire vos différentes voilà, inscriptions auprès de Niawa. Allez, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Alors, si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.